Je m'appelle Michel Girard, je suis né en 1939. Quand on regarde un paysage ou un personnage, on reçoit quelque chose, une émotion, et on veut le transcrire sur une toile. Des choses simples. J'ai fait ma vie avec quelques tubes de couleurs et des pinceaux. C'est grâce à Paul Sonnenberg que Michel Girard peut vivre de sa peinture. Son mécène est juif. Et en 73, l'artiste fait un voyage qui va changer sa vie. On a visité le camp, pièce par pièce. Les cachots, les endroits où les prisonniers étaient sur un mètre carré, où on pouvait voir encore les graffitis faits avec leurs ongles. On se demandait, est-ce que ça existait? Oui, mais la réalité, elle était là. Et au paysage de Normandie, ont succédé les tristes couleurs des camps de concentration. On voit sur le tableau que les visages ne sont pas grimaçants. On voit que, ils sont résignés. Mais on voit les miradors, on voit les barbelés de premier plan, un fond de neige. J'ai essayé de rendre ce que j'ai ressenti. Depuis plus de 50 ans, Michel Girard parcourt le monde, l'histoire, l'actualité, qui tous transparaissent dans sa peinture. J'ai vu au fur et à mesure des semaines venir une violence qui est insupportable parce que dans la vie, on doit respecter quand même certaines valeurs. Si on veut vivre ensemble, il faut respecter les valeurs. Elle est peut-être un peu risquée, je ne sais pas. Hein. J'irai jusqu'au bout. Ces deux toiles sont exposées juste derrière sa fenêtre pour une peinture presque militante.